Bonjour, bonsoir. Non pas monsieur Frendi, non pas ici. Frère Audi Joseph. Nous venons présenter Oyon Show, qui est le chauffeur, une émission qui est basée sur la Bible. Côté que oui, parce que l'évangile du salut. L'évangile du salut. Côté que il y a des sujets uniquement bibliques qui vont parler. Et à bien différentes parties dans le show, ça. Côté que nous avons des invités du jour. Nous avons gagné un pile débat pour nous faire. Surtout, Jean que l'évangile là, est de Yoa. Et Jean que l'évangile est de Yoa. C'est de Yoa. Et puis nous allons faire Bible en parler tout. Qui était frère Indy, explique-nous qui est le chauffeur. Alors, chauffeur, plusieurs m'ont toujours posé des questions qui est le chauffeur. Chauffeur, son trompette. Son trompette, mais c'est une religion juive hein, qui est toujours utilisée. Il y a des gens qui m'ont dit est-ce que je suis adepte juif. Je ne suis pas un adepte juif, mais je prends le chauffeur comme un symbole. Symbole qui ça? Son symbole trompette que lui a sonné trompette dernier temps. Vu que Jean Sotil Damien, l'évangile qu'a prêché jeudi, ce n'est pas l'évangile Christ qui baille disciples au péché. Parce que son évangile l'argent qu'a prêché, son évangile miracle qu'a prêché, et tandis que Christ Banouillon, l'évangile qui est basé sur la prière, sur l'onction, sur l'enseignement, etc. Donc un nom chauffeur, moi, ben, son nom pour nous capables. Annoncer, parce que l'évangile dans ce qui c'est annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Et vous dites quoi, c'est à travers connaissance moins, connaissance pas, et connaissance en pile l'autre monde qui va vivre. Qui va permettre de gagner des discernements. Il va éclairer sur nous. Et à l'aide du Saint-Esprit, tout. Yeah. Nous va gagner. Sans Saint-Esprit, rien. Rien pas à faire. Nous va gagner en pile éclairage, en pile lumière qui va le faire. Sur un pile d'autres bagailles que mon qu'on a dit, un pile d'autres bagailles que mon content et que nous pas comprendre, et mettez quoi pendant que chita la kao, ou attendez nous à travers tout ça que nous avons dit, cet esprit lui-même tout l'a fait, l'a éclairé tout à travers tout ça que nous avons dit dans chose ça. Tout d'abord, faut me faire une présentation de tête moi. Parce que normalement, nous connaissons au moins nous au courant de qui est qui a parlé ensemble avec nous. Jean d'Abdi Dalla, non pas c'est Indy Joseph. Donc, en quelques mots, m'a dit nous qui j'aime moi-même, bon Dieu te fait avec ensemble avec nous. Nous sommes moi converti le 25 décembre 2011. 25 décembre 2011, moi converti. Et la raison pour laquelle je me convertis, c'est à travers un message que mon pasteur t'a prêché. Petit message ainsi. La vie ou pas un accident. Et pasteur a prêché le message très bien que Saint-Esprit vraiment t'accompagne pasteur. Et me réaliser à travers ça, pasteur a dit que la vie ou pas un accident vraiment. Et en plus le monde tout cas, oui, ça, la vie ou pas un accident. Tout ça a fait, il dépend de bon Dieu. Tout ça a fait, si bon Dieu va là, on n'est pas à faire. Bien que il y a des monde tout qui pas compté sur bon Dieu. Mais sans lui-même, rien n'est. Et sans lui-même, tout bagage est impossible. Donc, oui, à travers le message, je me suis remarqué que la vie n'est pas un accident. Et je me suis décidé de remettre Christ la vie. J'en ai eu un dire. Je suis resté là. Je suis converti le 25 décembre 2011. Mais nous connaissons, je suis jeune. En 2011, je suis capable de gagner. Bon, peut-être 13 ou 14 ans, je suis fini de songer. Donc, je suis converti jeune. Donc, en pile, mon Dieu, je connais dit, bon, ça a été pasteur, mais tu pasteur, ou bien, il y a des fois, il y a des droits spirituels, il y a des fois, il y a des amis qui disent, il n'y a pas de moi. Mais c'est moi-même, c'est pas moi, c'est moi-même, parce que l'offre que je joue, mais cependant, l'offre que je joue avec, en tant que pour l'âge, je devine rencontrer ensemble avec Christ, il n'y a pas de bagage qui est facile. Faut nous dire, nous bien, parce que moi, jeune, je fais qu'à débuter dans l'évangile, me fait apprendre ça qui l'évangile ou jeune ou bien zambou qui jeune donc t'es toujours bien quelque petit sorti quand même malgré qu'on est dans l'évangile quelque petit sorti et ça t'es poussé quelques amis quand même dit bon hésitez quoi l'évangile oui mais au qu'on est ou fait qu'à convertir ou pas on base vraiment et c'est ça c'est une raison qui fait en pile des fois qu'on a douté tout dès qu'on a demandé est-ce que mieux on m'engage ou un chrétien vrai.
parce que pas caché dit nous on dirait mais fait tout ça dit mais jeune nous quand fait ça il est pas dit mais pas dit et là autant des jeunes à faire pas dit on dit tout ça bien dans pas dit donc il dirait mais tout ça mais une bagarre qui était marqué une bagarre qui marqué c'est après un homme de temps commencer qu'un ami bons amis qui commençaient à comprendre moi, les amis qui commençaient à comprendre moi, qui commençaient à connaître Christ à travers moi-même et qui commençaient à accepter Christ tout à travers moi-même. Mais les bâtir bagages qui facile. Et capable de dire moi baptisé en 2012, me baptisé en 2012, 1er août 2012. Et c'est là étant bah fait des expériences ensemble avec Christ. Je dis, on prend l'autre résolution. Je me sens une nécessité pour m'entrer plus fond par Kali. Je me sens une nécessité pour mon travail pour lui. Et c'est ça, tout chrétien t'a donné la Kali. Il y a une nécessité pour le travail pour Christ. Parce que c'est ça, là, nous, qu'on appelle dans Matthieu 28, à l'effet de toutes les nations de d'ici. Tout le monde a une nécessité pour prêcher l'évangile des bons dans Christ. Tout le monde a une nécessité pour bailler l'évangile des bons dans Christ. Donc, c'est ça que je suis capable de dire en gros. Et c'est l'expérience. Je me fais pile expérience avec elle. Malgré des fois, je me fais en dents de sortir, je me fais expérience avec elle. En dents de sortir, je fais plusieurs expériences avec elle. Christ, quand je me déplace là par là, je me fais pile expérience. Et c'est l'expérience qui fondement. Et tout chrétien, ça son message. Tout chrétien, ouvre un fondement spirituel, ouvre une croyance. Qui évolue c'est grâce à l'expérience. Sans expérience, on ne peut pas faire un rien. Et ça fait tout ce que tu as supposé demander, manger pour faire une expérience. Je vous dis un grand merci à tout le monde qui t'a attendu, qui t'a prêté attention pour regarder la vidéo. Alors, si moi-même, moi, mon dernier mot, je vous dis surtout à jeunes, parce que je suis jeune. Et une permission pour me viser jeune, une permission pour me viser tout le monde, mais spécialement jeune. Parce que dans le temps, c'est jeune yo nous besoin, c'est jeune yo qui s'a cherché. Parce que dans le temps, nous venons voir qu'il y a des gens qui a fait plus de bagages et Christ décidé. Parce que la Bible est prophétisée, la Bible dit clairement que dans le dernier temps, yo, s'il n'y a pas jeune, le monde pour parler la plan wash. Ça veut dire nous allons comprendre que Jean-Christ fait un pas à travers jeunes, étant c'est un jeune milieu. Donc si mon dernier message m'a dit que en réalité, pas dire parce que le prédicateur dit, pas dire parce que le grand pasteur dit, mais son fait réellement parce que nous vivons. Dehors pas rien vraiment. Dehors douce. Si j'aime garder ça, Dieu a douce à travers des gains d'expérience, soit fait Dieu a douce. Mais les résultats sont des résultats qui sont amers. Il y a un résultat amer, très très amer. Donc, Christ remet nous. Christ remet nous et Christ veut nous. Christ veut nous suivre. En fait, des fois, on comprend que servir mon Dieu, l'imander en plus fort, c'est vrai. Mais servir mon Dieu, je ne dis pas qu'il y a un moment où il relax. Pas un moment où on petit plaisir. Non, servir mon Dieu pas comme ça. Servir mon Dieu, il y a un moment de plaisir, mais plaisir tout autant qu'on était dans la ligne ou dans la limite. Donc, tout jeune qui pensait que bon, il faut que l'homme pour t'apprendre Christ, c'est pas vrai. Au contraire, Christ servit à jeune plus. Christ, jeune joue plus expérience dans mes Christ. Et l'expérience que vive. Tout jeune, si tout jeune vive expérience ça yo, gomba m'a toujours dit, me dit, jour en monde goûter mon Dieu et puis t'a perdu présence mon Dieu, là m'a dit pour qui raison t'es goûter présence. Comme si plutôt monde n'a pas jamais goûter présence mon Dieu du tout. C'est tellement présence li goût. Mais invitez tout jeune yo goûter présence. Et dans 2 Timothée 2 verset 4, dans 2 Timothée 2 ou 2 Timothée 4, il dit oui, il dit prêcher pour nous prêcher parole là en toute occasion favorable ou non, il dit censure, exhorte, et c'est ça que tout le monde a supposé faire. M'inviter toute jeune yo joindre Jésus parce que c'est celle lui même qui est capable d'aider de mon parent qui j'ai avocat il ou parent qui j'en cas fini demain, mais sous fini avec Christ ou fini bien, mais sous fini sans lui même. La roufite, c'est comme si on construit yon kay, mais base pas solide. Et vu que base pas solide, yon tremblement de terre passé, kay la krasé. Yon vent passé, kay la krasé. Yon tsunami, whatever, kay la krasé. Donc vraiment ça au besoin.
qu'au jeune, qu'au grand monde, c'est Jésus. Joindre Jésus et la roue, il va aller de bien en mieux.